Avec Dieu, nous avons la victoire. 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 Oh, chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. À vous. Chante gloire. Chante gloire. Avec Jésus, nous avons la victoire. 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 Chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. Chante gloire, gloire, alléluia. Okay. Amazing grace, how sweet the sound that saved like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first
That's about the first time I've sung in 15 years. Et vous savez, c'est la première fois que j'ai chanté ce chant en 15 ans. I used to lead worship in church. Vous savez, dans l'église, j'avais l'habitude de conduire la louange. But I retired from leading worship 15 years ago. Mais il y a 15 ans, j'ai pris ma retraite. So now you see where my daughter gets her beautiful voice. Et maintenant, vous voyez d'où vient la belle voix de ma fille. Alléluia. Merci beaucoup. Thank you very much. Woo, hallelujah. Hallelujah. I'm going to be singing a song called I Can Hear the Heavens Sing. Alors je vais chanter un chant qui est intitulé J'entends les cieux qui chantent. I'm trying to sing a song that fits with my mother's message tonight. Alors j'essaie de chanter un chant qui convient et qui s'adapte avec le message que vous allez entendre ce soir. I can hear the roar from Zion. Hailing the arrival of the King. Angels singing songs of worship and praise. And all of creation bow before Him. Holy, I can hear the j'entends le cri de Sion. Hailing the arrival of the King. Acclamant l'arrivée du roi. Et ça enchante des chants d'adoration et de louange. All of creation bow before him. Toute la création se prosterne devant lui. I can hear the heavens sing. J'entends les cieux chanter. Holy, I can hear the heavens sing. J'entends les cieux chanter. Soit loué.
I'm going to have Kinsey sing one more song, and as I know many of you don't understand je vais demander à Kinsey de chanter un autre chant, et je sais que la plupart d'entre vous peut-être vous ne comprenez pas les paroles qu'elle chante. But you know, it's all about the Holy Spirit and the anointing of God that's on the music. Mais nous sommes en train de parler de l'onction du Saint-Esprit qui est sur la musique. I've been so blessed this week by Esperance. I don't always understand all the words that they're singing. Et vous savez, pendant cette semaine, j'ai été tellement bénie par le groupe Esperance. C'est vrai, je ne comprends pas toutes les paroles qu'ils chantent. But the anointing of God that's on them. Mais l'onction de Dieu qui est sur eux. Ministers to my spirit. Et ça me parle dans mon esprit. Spirit to spirit. Et d'esprit en esprit. And so. The scripture says that God inhabits the praises of his people. Parce que la parole nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. And one thing I've discovered in worshiping God. Et une chose que j'ai découverte en louant le Seigneur. That I only receive as much as I give. Alors que je peux recevoir que ce que je donne. And worshiping God prepares your heart. Just like soil. Et lorsqu'on adore le Seigneur, ça prépare nos cœurs, c'est comme une terre. It prepares the soil of your spirit for the seed of the word to be planted. Et ça prépare la terre de votre esprit afin que cette semence puisse germer dans la terre. Tonight my message is on angels, and the angels, the number one job they have is worshiping God. Et vous savez, ce soir je vais partager un message sur les anges, et la première chose qu'ils font, ils adorent le Seigneur. And so tonight we're going to join with the angels in et worshiping ce him. Ce soir, nous allons nous mettre en accord et nous allons nous rejoindre aux anges pour l'adorer. He's the only one worthy of any praise. Il est le seul digne de nos louanges et d'être adoré. And so I just ask you tonight as she sings to open your heart to the Lord. Et ce soir pendant qu'elle va chanter, je vais vraiment vous demander d'ouvrir vos cœurs au Seigneur. And worship him out of your spirit. Et de vraiment le louer et de l'adorer avec votre esprit. It says that we worship him in spirit and in truth. Et la Bible nous dit qu'on l'adore en esprit et en vérité. So even though you don't always know what the words are, you bear witness with the spirit of the Lord that's on the song. Et même si parfois vous ne comprenez pas toutes les paroles, mais que votre esprit puisse rendre témoignage de l'esprit de Dieu qui est sur ce chant. Let's worship just for a few more minutes before I bring the message. Et pendant quelques minutes de plus, si on peut vraiment adorer le Seigneur. Lord, I approach your throne of grace. My heart. Mon cœur est mis devant toi. J'abandonne tout. I lay me down. Je me prosterne devant toi. Pour out your mercy for me. Répands sur moi ta miséricorde. And my life. Ma vie. I lay down at your feet. Je le dépose à tes Lord, pieds. Come and live in me. Seigneur, viens et habite en My moi. Life belongs to you. Ma vie t'appartient. My Lord, mon Seigneur, everything that I owe, tout ce qui est à moi, everything that I do, tout ce que je fais, belongs to you. T'appartient. Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce. Mon cœur est nu devant toi. J'abandonne tout. Je me prosterne devant toi. Répands sur moi ta miséricorde. My life, I lay down at your feet. Je dépose ma vie à tes Lord, pieds. Come and live in me. Seigneur, viens et habite en moi. My life belongs to you. Ma vie t'appartient. My Lord, Seigneur, everything that I owe, tout ce qui est à moi, and everything that I do, tout ce que je fais, belongs to you. T'appartient. Alléluia. My life, ma vie, belongs to you. T'appartient. My life, ma vie.
song is really about the song of surrender. Et ce chant vraiment concerne le fait qu'on s'abandonne. And it was a song of surrender that I was singing the morning that the angel touched me in church. Et c'est ce chant-là que je chantais la matinée où l'ange m'a touchée lorsque j'étais à l'église. You know, God responds to the heart cry of a man or a woman. Et vous savez, Dieu répond aux cris de nos cœurs. You know, sometimes we call out to God from our understanding or from our mind. Et parfois nous crions à Dieu au niveau de notre intelligence, de nos pensées. But it's the heart cry that God responds to. Mais c'est le cri de notre cœur, c'est à cela que Dieu répond. He said, "On the day that you call unto Him, He will answer you." Il dit, le jour que vous allez m'invoquer, je vais vous répondre. I feel in my spirit tonight that there's many of you here that are in some situations. Et je ressens ce soir qu'il y a beaucoup de vous ici que vous vous trouvez dans des situations. That you really there's no way out according to man. C'est comme si vous n'avez pas un moyen de vous en sortir selon l'homme. You really need divine intervention. Vous avez vraiment besoin d'une intervention divine. When you begin to cry out to God for His intervention, et lorsque vous commencez à crier au Seigneur pour qu'il intervienne, from your heart, et cela vient de votre cœur, that is the kind of cry that God responds to. Et Dieu répond à ce genre de cri. So tonight I want to share some things with you about angels. Alors ce soir j'aimerais bien partager avec vous des choses concernant des anges. That will be able to assist you. Qui va vous permettre et vous va vous aider. And seeing the dream of God come to pass in your life. De voir le rêve de Dieu s'accomplir dans votre vie. When I say the dream of God, I really mean the purpose of God. Et lorsque je parle du rêve de Dieu, je parle vraiment des desseins de the Dieu. The reason you were born. La raison pour laquelle vous avez été né. The reason you were created. La raison pour laquelle vous avez été créé. The divine purpose of God that's on you and in you. Et le but divin de Dieu qui est sur vous et pour vous. You will never see its fulfillment on your own. Vous n'allez jamais voir ce but s'accomplir tout seul. Not only will you need divine intervention. Non seulement vous avez besoin d'une intervention divine. But you need divine connections here on this earth. Mais vous avez aussi besoin des connexions divines pendant que vous êtes sur cette terre. So I want to share just a few things that God has shown me concerning the ministry of angels. Alors je veux partager quelques petites choses avec vous que le Seigneur m'a montré au sujet des anges. For those of you that weren't here last night, I just want to give you the points that I gave last night before I go into that message. Et pour certains d'entre vous qui n'étaient pas là hier soir, j'aimerais bien simplement vous dire quelques points que j'ai relevés hier soir. So number one was. Alors la première chose que j'avais dit. That Satan wants to silence the seed. Que le diable il veut faire taire la semence. And you may wonder what that means. That et means. Et peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que cela signifie. That means Satan wants to shut you up. Autrement dit, Satan il veut vous faire taire. He wants you just to sit down, fold your hands and quit. Il veut simplement que vous vous asseyiez sur une chaise simplement en croisant les bras et que vous abandonnez. And not pursue God or pursue God's purpose for your life. Et de ne pas poursuivre les desseins de Dieu dans votre vie. Sometimes whenever we've had setbacks or we've had delays concerning the purpose of God. Et parfois lorsqu'on a traversé des problèmes ou il y a eu des délais concernant les promesses de Dieu. We have a tendency to want to quit. Alors nous avons cette tendance à vouloir tout abandonner. But tonight after I finish my message on angels, I trust that your vision will be renewed and your hope will be renewed knowing that you don't have to do it on your own. Mais ce soir après que j'ai terminé mon message sur les anges, j'espère que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que Dieu va vous aider et va vous assister à accomplir ses buts et ses desseins. The second thing is that God wants us as a church and he wants you as his child to establish a beachhead. Alors la deuxième chose c'est que Dieu veut que nous établissions un beachhead. And I am going to let Doris read the definition that. Alors je vais permettre à Doris de vous lire un petit peu ce que signifie beachhead. Alors cela veut dire établir un lieu qui se trouve dans une région hostile, une rivage qui est occupée afin de sécuriser la possibilité de plus d'atterrissage par des soldats, des troupes et pour plus de provisions. Cela signifie aussi que c'est un endroit qui est ouvertement en opposition à l'adversaire et qui résiste aux attaques de l'adversaire. The beachhead is established on hostile territory. Alors ce beachhead est établi sur une région hostile. Sometimes we just sit back and wait for everything to
line up so we can do what God said to do. Et parfois, on attend simplement à ce que toutes les choses s'alignent avant de faire ce que Dieu nous a dit de faire. But most of the time, it's necessary for us to get up and go right into the enemy's camp and territory. Mais la plupart du temps, c'est important pour nous de nous lever et d'entrer dans le territoire de l'adversaire. And we take what is ours through Jesus Christ. Et nous prenons ce qui nous appartient au travers de Jésus-Christ. Through the establishing of a beachhead. Et lorsque nous établissons ce beachhead, which is a term that's used in war. Et ça, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on est en guerre. We were able. The definition said that we were able. They were able to receive more troops and more supplies. Alors selon la définition, il nous dit qu'on pouvait recevoir plus de provisions. But I'd like to say, by establishing it in your life, or in your church, you're able to receive more people and more resources. Et lorsque vous établissez ça dans votre église, vous allez pouvoir recevoir plus de ressources et aussi plus de personnes. The third thing was establish a bridgehead. Et la troisième chose était d'établir un bridgehead. Ce qui signifie un lieu fortifié ou une position prise par les forces qui attaquent l'ennemi d'un pont, d'une rivière ou d'un trou ou d'une espace ouverte. That involves a bridge in, that involves a gap or a, et cela implique une espace ouverte, un trou or a bridge, ou un pont or a river. Ou une rivière. And these are things in the Bible. The Bible says that we should stand in the gap and we should make up the hedge. Et la Bible nous dit que nous devrions nous tenir sur la brèche. We stand in the gap for other people. Alors nous nous tenons sur la brèche pour les autres. And Sergine had the prophetic word about building a bridge. We become a bridge for others to cross over to know the Lord. Et Sergine avait cette parole prophétique au sujet d'un pont, et nous devenons ce pont afin que les âmes puissent venir à Jésus. And the river referring to the river of God, so that when they come to know Him, the river of God can now flow through their life. Et la rivière fait référence à la rivière de Dieu afin que lorsque ces gens puissent venir à connaître Jésus, que la rivière de Dieu puisse couler au travers d'eux. The fourth thing that we're to lift up the name of Jesus in these days more than we ever had before. Et la quatrième chose, il va falloir que nous élevons le nom de Jésus plus que jamais auparavant. It's gotten very unclear in the church today who God is. Parce que dans l'église de nos jours maintenant, les choses sont vraiment pas claires. Qui est vraiment Dieu? Because there are many people that say they have a different God. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont un Dieu différent. So we have to be very clear and specific about which God we serve. Alors nous avons besoin d'être très clairs et très nets et très spécifiques concernant le Dieu que nous servons. Which is the only God, Jehovah. Parce qu'il est le seul Dieu, Jéhovah. The name of Jesus has to be lifted up. He said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Le nom de Jésus a besoin d'être élevé parce que sa parole nous dit, si je suis élevé, j'attirerai les hommes à moi. The fifth thing is that these are the days of the supernatural. La cinquième chose, c'est nous vivons dans les jours où nous allons voir des choses surnaturelles. God is wanting to move supernaturally in your life personally and in your nation. Dieu veut agir d'une façon surnaturelle dans vos vies personnelles et dans votre nation. Sixth, there's going to be more angelic activity. Et la sixième chose, qu'il va y avoir plus d'activité angélique. Angels that will come to assist to help the plan and will of God come to pass. Et les anges vont venir pour vous assister afin que les plans et les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans vos vies. And then number seven, the one that we all love, is fulfillment. Et la septième chose, c'est la chose que nous aimons tous, c'est l'accomplissement. How many here tonight say you're looking for the fulfillment of the promise of God in your life? Et combien de vous ici, vous êtes là, vous êtes en train de vous dire, vous recherchez l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. A promise is no good unless there's fulfillment. Et une promesse, ça vaut rien à moins s'il y ait vraiment l'accomplissement. And many of us have waited to see the fulfillment of what God has said to us. Et beaucoup de nous sommes en train d'attendre les promesses de Dieu pour voir l'accomplissement de ce que Dieu and nous a dit. We are moving into those days. Et nous sommes en train d'entrer dans cette dimension et dans ces jours. So that was in those. That message came the day after the angel touched me. Alors j'ai reçu ce message le jour où l'ange m'avait touché. I said last night I was very dry. I was very weary in my body. We've been going through a trial with my father. Et hier soir, je vous ai dit que j'étais très fatiguée, j'étais très lasse en moi-même, j'étais très découragée parce qu'on avait traversé des moments très difficiles. And when I came to church that morning, I cried out to God from my heart. I said, I need a touch from You tonight, et ce today, matin-là, Lord. Lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me touches aujourd'hui. And in the process of worshiping God, I felt someone holding up my left arm. Et pendant que j'étais en train de louer et adorer le Seigneur, j'ai ressenti qu'il y avait quelqu'un qui me soulevait le bras. A strong hand had a grip on my arm. Il y avait quelqu'un qui avait une main qui était forte, qui me soulevait le bras.
I was worshiping God. I didn't turn to see who was there. Moi, j'étais en train d'adorer mon Dieu. J'ai pas regardé qui était à côté de moi. At first, I thought it was one of the ushers helping me. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait l'accueil qui m'aidait. But after I sat down, I asked someone if was there someone behind Mais me. Mais après que je me suis assis, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui était derrière moi. Everyone said no, there was no one there. Et tout le monde m'a dit qu'il y avait personne. And we had a visiting minister with us that morning. Il y avait quelqu'un, un prédicateur qui nous visitait ce matin-là. And he told me, he said, that was my angel touching you. Et il m'a dit, ça c'était mon ange qui t'a touché. And it blessed me so very much because I'd never had a supernatural experience. Et ça m'a tellement béni parce que je n'ai jamais vécu une telle expérience surnaturelle. But from that day, I've been a different person. God's done a deep work in my heart. À partir de ce jour-là, j'ai vraiment été transformée. J'étais une personne différente et Dieu a fait un travail profond dans mon cœur. And I was refreshed that day and I had new revelation. Et j'ai reçu une révélation profonde. So that's what brings me to the message tonight on angels. Et ce soir, je vais vous partager un message au sujet des anges. The first thing I want you to understand tonight who angels are and who they aren't and what their purpose is. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre qui sont les anges et ce qu'ils ne sont pas et aussi leur dessein. The first thing is that you need to know is that we don't worship angels. La première chose qu'on devrait savoir, qu'on n'adore pas les anges. I think many Christians Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens have turned their head as far as angels are concerned because they were afraid they were going to get into angel worship. Et je pense que beaucoup de chrétiens ont détourné leur regard des anges parce qu'ils ont eu peur du fait que peut-être ils vont commencer à adorer les anges. And because of that, we have cheated ourselves out of the blessing that angels are to be to us as heirs of salvation. Et à cause de ce fait, nous nous sommes trichés nous-mêmes et nous nous sommes privés de ce que les anges peuvent vraiment exercer dans notre vie. To enlist the help of an angel is not worshiping the angels. Lorsqu'on enrôle l'aide des anges, cela ne signifie pas qu'on les adore. We only worship God. Nous adorons Dieu et lui seul. And then the angels assist us. Et les anges, eux, ils nous assistent. I said last night Et hier soir, je vous ai dit that angels aren't fat little babies with bows and arrows. Que les anges ne sont pas des gros bébés dénudés avec des flèches et des arcs. In America, angels have become a way for people to make money. Et en Amérique, les anges sont devenus un moyen que les gens font de l'argent, du commerce. They make angel pins. Et vous savez, ils ont des bijoux, des broches avec des anges. They make little figurines of angels. Ou des statuettes des anges. They have greeting cards and stationery with angels. Alors ils ont des cartes de vœux avec des anges, etc. Cartoons about angels. Alors ils ont des BD au sujet des anges. But every one of them do not portray the angels like they really are. Mais toutes ces choses ne nous montrent pas l'image vraiment des anges et ce qu'ils sont. Angels are strong and mighty. They're big. They're powerful. Les anges sont grands, sont puissants, ils sont forts. And they're not anything like the world thinks that they are. Et ils ne sont pas ce que le monde pense d'eux. They work for God. Ils travaillent pour Dieu. Since God's big, alors comme notre Dieu est un grand Dieu, he needs big helpers. Il a besoin de ceux qui sont très grands, alors des aides qui sont très grands. Number three, there are more angels than there are demons. Alors il y a plus d'anges qu'il y a de démons. In America, I don't know how it is here in the church. Je ne sais pas comment c'est ici dans l'église en France, mais en Amérique. I talk about America because that's all I know. Parce que je parle de l'Amérique parce que c'est tout ce que je sais. But in America, mais vous savez, en Amérique, everyone wants to talk about devils and demons. Et tout le monde veut parler du diable, des démons. It got to where they were talking more about the devil than they were about God. Et vous savez, c'est arrivé à un point, ils parlaient plus des démons que de Dieu. But there's more of God's angels than there are the devil's demons. Mais il y a plus des anges de Dieu qu'il y a de démons. And even though we need to be aware that there are demons, that we do have an enemy. Bien qu'on doit vraiment être conscient du fait qu'il y a des démons et qu'ils sont notre adversaire. I contend that if we major more on God and His host. Mais moi je vous dis, si on fixe nos regards plus sur Dieu et sur ses anges. Than we do on the devil and his bunch. Que nous faisons sur le diable et son troupe à lui. Then we'll see more angelic activity. Alors we'll have more assistance in our lives. Nous allons voir plus d'activités angéliques et nous allons avoir plus d'aide dans nos vies. Turn with me to Psalms 103. Alors si on peut regarder dans le psaume 103. I'm going to give you scripture tonight to back up what I'm saying. Alors je vais vous donner des versets bibliques ce soir pour soutenir ce que je vais vous dire.
Psalms 103, Psaume 103, beginning with verse 17. Alors on commence à partir du verset 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments and to do them. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Verse 20, bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. And that is still referring to the angels. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Et nous sommes encore en train de parler des anges. Now turn to Hebrews, the first chapter. Alors, si nous pouvons regarder dans Hébreux, chapitre 1, verse 6 and 7. Nous lisons les versets 6 et 7. But one testified in a certain place, saying, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. So if you're saved, you've inherited salvation. Alors si vous êtes sauvé, vous avez hérité de ce salut. And that means the angels have been sent to minister just for you. Alors autrement dit, les anges ont été envoyés pour exercer leur ministère vis-à-vis de vous. I believe we all have our own guardian angel. Et moi, je pense que chacun d'entre nous, nous avons nos anges qui veillent sur nous. I believe that we have angels that are basically assigned to us. Et moi, je pense que nous avons des anges qui nous ont été donnés personnellement, assignés personnellement. And I know for years my angels probably sat around with their wings folded. Et je sais que pendant des années, peut-être l'ange qui m'avait été assigné est simplement resté là avec ses ailes croisées. Because I was ignorant of what the Word of God said regarding angels and how they came to minister for me as an heir of salvation. Parce que moi, j'étais ignorante du travail que faisaient les anges et comment ils exerçaient leur ministère à moi qui était héritière, qui est héritière du salut. Since I've gotten this revelation, I've kept my angels busy. Et depuis que j'ai reçu cette révélation, c'est vrai que l'ange qui veille sur moi, je pense qu'il est très occupé maintenant. So if you don't want to use your angels, you can send them over to my house. Alors si vous ne voulez pas utiliser votre ange, vous pouvez l'envoyer chez moi. I'll put them to work. Et moi, je vais lui donner du boulot. Amen. Amen. So the first thing they do is they do the commandments of the Lord. Alors la première chose qu'ils font, ils obéissent aux commandements de Dieu. Whatever his commandments are, that's what the angels do. Quels que soient ses commandements, c'est ce que font les anges. And I've heard people say I don't feel comfortable commanding an angel. Et moi j'ai entendu des personnes qui ont dit oui, je ne me sens pas à l'aise de commander aux anges de faire quelque chose. But you're not commanding an angel. Mais c'est pas vous qui commandez. God has already commanded them. Dieu a déjà to work for you as an heir of salvation. Dieu a déjà donné le commandement afin que ces anges puissent travailler pour vous en tant que héritiers du salut. All we do as heirs of salvation is put a demand on the command that God has already made. Et tout ce que nous faisons en tant que héritiers du salut, c'est que nous demandons selon l'ordre que Dieu a déjà donné. If you don't put a demand on the command, alors si vous ne demandez pas selon l'ordre et le commandement que Dieu a donné, then you can't enjoy the results. Alors vous ne pouvez pas vous réjouir et vous jouir des résultats de ce commandement. Thirdly, they hearken to the voice of his word. La troisième chose, c'est qu'ils écoutent attentivement la parole de Dieu. So whenever you speak the word of God, the angels listen. Alors lorsque vous proclamez la parole de Dieu, les anges écoutent. They also listen to the word of God in your mouth. Alors ils écoutent aussi la parole de Dieu qui est proclamée de votre bouche.
I can tell you one way that you can cause the angels to flee or to not work for you. Alors, je peux vous dire un moyen comment les anges peuvent soit fuir ou travailler pour vous. And that is through complaining, griping, murmuring. Alors, lorsque vous commencez à vous plaindre, à murmurer, talking about your problems all the time. Lorsque vous parlez de vos problèmes constamment. But when you begin to talk about God and God's word, mais lorsque vous commencez à proclamer la parole de Dieu et vous parlez de Dieu, and what God's word says about you and what you have in Christ, et ce que Dieu dit à votre sujet et ce que vous avez en Christ, then the angels hearken to that. Alors les anges, ils écoutent attentivement. They are waiting for someone on this earth to speak the word of God. Alors ils attendent pour que quelqu'un sur cette terre proclame la parole de Dieu. It's on that word that they go to work. Et c'est sur cette parole, basé sur cette parole, qu'ils vont au travail. Number four. La quatrième chose. Angels are messengers and servants in rank underneath man. Alors les anges sont des messagers, des serviteurs qui sont classés en position en dessous de l'homme. The angels are under you. They're not above you. They're under you. Alors les anges ne sont pas au-dessus de l'homme, de nous, mais ils sont en dessous. Someone said angels are no more than spirits in service to God. Alors quelqu'un a dit que les anges ne sont pas plus que des serviteurs qui sont au service de Dieu, who have been commissioned to serve the heirs. Qui ont été donnés une mission pour servir les héritiers. God himself has commissioned angels to serve you. Dieu lui-même, il a donné aux anges une mission afin qu'ils puissent vous servir. If you meditate on that long enough and alors, it gets down on the inside of you, that's going to make you excited. Alors si vous méditez suffisamment longuement sur ce que je viens de vous dire, alors je crois que ça va vous enthousiasmer. Because there are some tough places that we walk through that we can't make on our own. Parce qu'il y a des situations difficiles que nous traversons et c'est vrai, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. We need the assistance of the holy angels. Nous avons besoin de l'aide des anges qui sont saints. Hallelujah. Hallelujah. Jesus was the one that actually opened the door for angels. Actuellement, Jésus était celui qui a ouvert la porte aux anges. You'll turn to John, the first chapter. Si nous regardons dans Jean, chapitre 1er, verse 51. Jean, chapitre 1, verset 51. And he said to him, "Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. And what does it say about the Son of Man? It says Jesus. Et qu'est-ce que cela nous dit au sujet du Fils de l'homme? Il nous dit que Jésus was the Word made flesh. Que lui, il était la parole qui a été faite chair. Jesus is the Word. Jésus est la parole. So when it says that the angels will be ascending and descending upon the Son of Man, which is Jesus. Alors ici, lorsqu'il nous dit que les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme, qui est Jésus. Then that means the angels ascend and descend on the Word. Cela signifie que les anges descendent et montent sur la parole. And so when you speak the Word of God. Alors lorsque vous proclamez la parole de Dieu. It activates angels. Et cela active l'activité des anges. Praise God. Que Dieu soit loué. There are several things that angels will respond to. Number one, angels respond to prayer. Alors il y a beaucoup de choses. Les anges vont répondre à beaucoup de choses et une de ces choses, c'est à la prière. When you pray, lorsque vous priez, then the angels respond to that. Alors les anges répondent à votre prière. The second thing, they respond to the word of God. La deuxième chose, ils répondent à la parole de Dieu. And thirdly, they respond to the word of God in your mouth. Et aussi, ils répondent à la parole de Dieu qui sort de votre bouche. See, sometimes we like to go to meetings and hear these wonderful testimonies of how God delivered people out of these life-threatening situations. Et parfois, on aime bien aller dans des réunions et entendre des témoignages comment Dieu a délivré des gens des situations très difficiles. And we shout and we praise God and we go, God, I wish I had a testimony like that. Et nous crions et nous louons Dieu et nous disons, oui, j'aimerais bien avoir un témoignage semblable moi aussi. But sometimes we're not willing to do what they did to get deliverance. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à faire ce que eux ils ont fait afin d'avoir notre délivrance. There is a price that you pay. Il y a un prix à payer. For God's best. Afin que vous puissiez avoir le meilleur de Dieu. There's a price that you pay for the purpose of God to come to pass in your life. Il y a un prix à payer afin de voir accomplir les desseins de Dieu dans votre vie. Now Jesus paid the ultimate price. Et I'm not talking about that. Et Jésus a pris
a payé le prix ultime, mais je ne parle pas de ça maintenant. But I am talking about the same prayer that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. Mais je parle de cette même prière que Jésus a fait dans le jardin de Gethsemane. Which is, Father, not my will, but thine be done. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Do you think it was easy for Jesus just to go to the cross? Est-ce que vous pensez que c'était facile simplement pour Jésus d'aller à la croix? He wrestled with the will of God, just like you and I do. Mais il a lutté avec la volonté de Dieu comme vous et moi on le fait. And he sweat great drops. That's how much it he wrestled with it to the point of sweating blood droplets. Et il a lutté tellement au point que sa transpiration était comme des grumeaux de sang. But he did not leave that place of prayer until he had come to the conclusion that he was going to do the will of his Father. Mais il n'a pas laissé ce lieu de prière jusqu'à ce qu'il arrive à cette conclusion, à cette décision qu'il allait faire la volonté de son Père. It said that Jesus could have called 10,000 angels. Et la Bible nous dit que Jésus aurait pu appeler 10,000 anges. They could have delivered him out of every trial that he went through. Et ces anges auraient pu le délivrer de toutes ces tribulations, ces persécutions. But he chose to do the will of his Father. Mais il a choisi de faire la volonté de son Père. But praise God for us. Mais que Dieu soit loué pour nous. He's given us the angels to assist us. Il nous a donné ses anges pour nous assister. So the price that you pay in doing the purpose of God. Alors le prix que nous payons pour accomplir les desseins de Dieu. Is that you have to give up your will. Vous avez besoin d'abandonner votre volonté. Take up His will. Et vous avez besoin de prendre sa volonté. And sometimes that's painful. Et parfois ça fait mal. But it pays great dividends. Mais je peux vous assurer que les résultats sont bonnes. Amen. Amen. Angels bring messages. Alors les anges, ils apportent des messages. All through the Bible, you see where angels appeared to bring messages to people. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que les anges viennent pour apporter des messages aux personnes. Angels also protect us. Et les anges sont aussi là pour nous protéger. In Psalms 91, it refers to that. Et dans le psaume 91, il nous en parle. They also minister to us. In the time of a severe trial. Ils exercent aussi leur ministère à notre égard lorsque nous passons par des tribulations sérieuses. That's what happened to me in January. Et ce qui s'est passé avec moi en janvier. You know, I don't understand why at that particular time the Lord allowed the supernatural touch of an angel to be felt in this natural realm. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que je puisse avoir cette expérience surnaturelle dans cette situation naturelle que je traversais. Because I've been through trials harder than that before. Parce que moi, j'ai traversé des situations plus difficiles que cela auparavant. But for whatever reason, the Lord allowed that. Mais quelle que soit la raison, Dieu a permis que ce soit ainsi. And so there are times when the angels do that. Alors il y a des moments où les anges le font. They minister to Jesus in that way. Alors ils ont exercé leur ministère vis-à-vis de Jésus de la même façon. When he had been in the desert 40 days and 40 nights, lorsqu'il a été and he came out, the angels ministered to him. Lorsqu'il a été dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, et les anges sont venus pour exercer leur ministère à son égard. So that's one of the job descriptions of angels. Alors ça, c'est un des travaux que font les anges. Number four, they assist in bringing the will, plan, and purpose of God to pass in your life and in the earth. Et la quatrième chose, c'est qu'ils aident pour que les plans, les desseins de Dieu s'accomplissent sur la terre et dans notre vie. If you've been in a holding pattern for a long time concerning the dream of God and the purpose of God in your life. Et si vous avez été dans une situation pendant une longue période au sujet des promesses de Dieu et de ses desseins. And you've done all you know to do to cause it to come to pass. Et vous avez fait tout ce qui était dans votre capacité pour que cela s'accomplisse. Then you need to consider enlisting the help of the angels of the Lord. Alors vous avez besoin de considérer d'enrôler l'aide des anges. Because you are an heir of salvation. Parce que vous êtes héritier du salut. So therefore, alors, you apply. Alors vous avez besoin de l'appliquer. All through the Bible, it's interesting. There's so many stories. I could be here all night telling you stories of angels. Et dans la Bible, il y a tellement d'histoires. Je pourrais être là pendant toute la soirée vous racontant toutes ces histoires. But I just chose a few that I felt like the Holy Spirit put in my heart. Mais j'ai choisi quelques-unes de ces histoires pour vous partager. As an example for you to know that God is not a respecter of persons. Pour que vous sachiez que Dieu ne fait exception de personne. Bible, alors s'il l'a fait pour ces personnes dans la Bible, il peut le faire pour vous aussi. I've noticed that there were times that angels appeared to people who were feeling
inadequate. Alors j'ai remarqué aussi que les anges ont apparu à des personnes qui se sentaient incapables de faire certaines choses avec une certaine insuffisance. God had promised them something. He had told them some things about them that were going to happen, and their first response was, well, how's that going to happen? Alors Dieu leur a dit certaines choses que eux ils ne comprenaient pas comment cela allait se faire. Alors ils se demandaient mais comment cela peut se faire? The best example of that is Mary. Et l'exemple parfait pour cela c'est Marie. The mother of Jesus. La mère de Jésus. When Jesus, when the angel appeared to her. Lorsque l'ange apparut à Jésus. And told her Marie, that she was going to bear the Son of God. Et lui a dit qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. The first thing she asked is, "How can this be?" Et la première chose qu'elle a demandé, comment cela allait se faire? Because I do not know a man. Parce que je n'ai pas connu d'homme. And basically, what she was saying in this natural realm, there's no way possible for that to ever happen. Mais littéralement parlant, ce qu'elle disait, c'est dans le monde naturel, dans ce réel naturel, cela ne peut pas se faire. C'est impossible. I am very inadequate in causing that to happen. Et moi, je n'ai pas la capacité. Pour que cela s'accomplisse. But the angel had a message for her, and he said it. The Holy Ghost will come upon you. Mais l'ange avait un message pour elle, et l'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. And the Holy Spirit will overshadow you. Et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. And that thing which is born of you shall be born of God. Et ce qui est né de toi viendra de Dieu. So the angel had a message for Mary in a time when she felt inadequate or felt like she didn't have the ability. To cause for the purpose of God or what God said to her to come to pass. Alors l'ange a apparu à Marie à un temps où elle se sentait incapable, elle ressentait une insuffisance en elle pour accomplir ce que Dieu avait dit qu'elle allait faire. But before the angel left, Mary said. Mais avant que l'ange soit parti, Marie a dit. Let it be unto thy handmaiden just as you've spoken. Que cela soit fait selon la volonté de Dieu, selon la parole qui a été prononcée. So because the angel brought the message, even though Mary felt like she couldn't do it. Et à cause du fait que l'ange a apporté le message, bien que Marie a ressenti que elle ne pouvait pas accomplir. She surrendered to the will of God. Mais elle s'est abandonnée à la volonté de Dieu. I've often wondered. Et souvent je me suis demandé. What would have happened if the angel hadn't appeared to Mary? Et ce qui serait passé si l'ange n'avait pas apparu à Marie? How God would have gotten his message over to her? Would he have done it through someone else? Maybe her cousin Elizabeth? Comment Dieu aurait pu transmettre son message à Marie? Est-ce que ça aurait été peut-être au travers d'Élisabeth? Or if she had refused the message that the angel sent. Ou si elle avait refusé le message que l'ange lui avait donné. But she was open to the will of God. Mais elle était ouverte à la volonté de Dieu. The second time I see angels appearing to people is when they feel discouraged. Et une autre fois, lorsque les anges apparaissent aux gens, lorsqu'ils sont découragés. In Acts 27. Et dans Actes chapitre 27. I'm not going to read the whole story. But, alors, je ne vais pas lire toute l'histoire. Verses 22 through 25. This is when et nous Paul lisons, was on the ship. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. And c'est lorsque Paul était dans le bateau sur la barque. The ship was about to shipwreck. Alors, le bateau était sur le point d'être naufragé. I'll begin reading with verse... I'll start with verse 21. Okay, à partir du verset 21. But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and whom I serve, saying, 'Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told to me.'" On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Seems that whenever the angel appears
to people, it's like a boost to their faith. Il semblerait à chaque fois qu'un ange apparaît à quelqu'un, c'est comme si leur foi est encouragée. Even though they know that what God's promised them is right and true. Bien qu'ils savent que ce que Dieu a promis est vrai. Sometimes the circumstances begin to weigh them down. They begin to look at what's going on and they think maybe God's forgotten them. Et parfois les circonstances semblent comme si Dieu les a oubliés. But after the angel appeared to Paul, he said, "Take heart, it will be just as God has said it would be." Et alors après que l'ange a apparu à Paul, il lui a dit, "Prends courage, ne crains pas, parce que cela va se faire comme Dieu te l'a promis." Angels appear to people whenever they're feeling alone and overwhelmed. Et les anges apparaissent aussi aux gens lorsqu'ils se sentent seuls et découragés. 2 Kings 6. Alors nous lisons 2 Rois chapitre 6. I know these are a lot of scriptures, but et je sais, je vous donne beaucoup de versets bibliques. I feel like it's important for me to back up what I'm saying with the Word of God. Mais je pense c'est important pour moi de vraiment soutenir ce que je suis en train de vous dire concernant la parole de Dieu. Because I think angels and the ministry of angels is a very misunderstood, misused, misrepresented subject. Parce que je pense les anges et le sujet des anges, c'est quelque chose qui est mal présenté, qui n'est pas bien compris. But it's a very valid ministry for the believer to partake of. Mais c'est un ministère qui est très important pour le croyant. 2 Kings chapter 6. 2 Rois chapitre 6. Beginning with verse 11. Nous commençons à partir du verset 11. Therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing, and he called his servants and said to them, "Will you not show me which of us is for the king of Israel?" And one of his servants said, "None, my lord, O king, but Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." So he said, "Go and see where he is, that I may send him, may send and get him." And it was told him, saying, "Surely he is in Dothan." Therefore he sent horses and chariots and a great army there, and they came by night and surrounded the city. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" So he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed and said, "Lord, I pray, open his eyes that he may see." Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, "Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?" L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. I know there's many times in my life in ministry that we've been up against a situation that looked hopeless. Et je sais, cela s'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie et dans notre ministère lorsque les situations sembleraient être sans espoir. It looked like that God was not sending any help. Et c'était comme si Dieu n'envoyait pas de l'aide. But if my eyes could have been, my spiritual eyes could have been opened just like the servants were. Mais si mes yeux spirituels auraient pu être ouverts comme les yeux de ce serviteur. I'm convinced I would have seen the heavenly hosts that were there to assist me. Et moi, je suis persuadée que j'aurais pu voir l'armée céleste qui était là pour m'assister. And that there were more of them than there were of the enemy. Qu'il y avait plus de cette armée céleste avec moi. Qui avait de l'ennemi. Sometimes because we can't see it with our physical eyes. Et parfois lorsque nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. We forget these things. Nous oublions ces choses. By reading these stories and accounts in the Bible. Et lorsque nous lisons ces histoires dans la Bible. It encourages me to know that God's with me and he's for me. Et cela m'encourage pour savoir que Dieu est avec moi et qu'il est pour moi.
I've also noticed that angels appear to people who are feeling abandoned or forgotten. Et j'ai aussi remarqué que les anges apparaissent aux gens qui se sentaient abandonnés et qui se sentaient abattus. The scripture says, I will never leave thee nor forsake thee. Et la parole de Dieu nous dit que je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. It says, there's one scripture that says, I will not forget you, for I've even imprinted you on the palm of my hand. Il y a un verset qui dit, je ne vais pas vous oublier parce que je vous ai imprégné sur le palme de mes mains. All of us here tonight have felt like we've been abandoned before by God. Et beaucoup d'entre nous ici ce soir, nous avons ressenti que nous avons peut-être été abandonnés par Dieu. He's like, God, where are you? Et vous avez dit, Seigneur, où es-tu? I've done everything you've asked me to do. I've endeavored to be obedient to what you've said to J'ai do. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai été obéissant. Où es-tu, Seigneur? And I love the story in Daniel 10. Et moi, j'aime bien l'histoire dans Daniel chapitre 10. Start reading with verse 10. Alors je vais commencer à partir du verset 10. I'm not going to read the whole story. Je vais pas lire toute l'histoire. It says, suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. And he was touched by an angel also. Alors il a été touché par un ange aussi. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Then he said to me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Now remember, this is the angel speaking to Daniel. Rappelez-vous, c'est l'ange qui est en train de s'adresser à Daniel. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision refers to many days yet to come. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. So here's an example of someone who prayed. Alors nous voyons ici un exemple de quelqu'un qui a prié. And they were waiting for the answer to come. Ils attendaient la réponse. It had been 3 weeks since Daniel had prayed. He hadn't seen any progress. He hadn't seen any answers. Et ça faisait 3 semaines, 21 jours qu'il avait prié. Il n'avait pas reçu sa réponse. But the angel said that God heard him from the first day he prayed. Mais l'ange lui a dit que Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour qu'il avait prié. And that he had come in response to Daniel's words. Et que lui, il est venu selon les paroles qui ont été prononcées par Daniel. Which is what we said earlier, is that angels respond to the word. Et ce qu'on a dit auparavant, que les anges, ils répondent à la parole. And that there had been an evil spirit that had withstood him and kept the answer from coming. Il y avait un esprit méchant qui résistait à l'ange et qui ne permettait pas à la réponse d'arriver. And God sent the archangel Michael to fight that spirit, the prince of Persia. Et Dieu a envoyé l'ange Michael pour combattre le chef de Perse. But it said that the vision refers to many days yet to come. So he basically was saying you're going to have to wait a little longer, but he encouraged him in the process so that he would know that God hadn't forgotten him. Alors ici, il nous dit, car la vision concerne encore ces temps-là. Autrement dit, il y avait encore un temps pour qu'il puisse attendre encore un temps, mais il lui disait d'attendre et de ne pas abandonner. Then I've seen angels that appear to people and have messages for them and minister to them who are really in disobedience. Alors, il y a aussi les anges qui apparaissent aux gens qui sont en train de marcher dans la désobéissance. We find this story in Numbers 22. Alors, cette histoire, nous le retrouvons dans Nombres, chapitre 22.
And this is a story that we've all read before. It's the story of Balaam, Balaam's donkey. C'est une histoire qu'on a tous lu auparavant. Cela concerne l'histoire de Balaam et de Balak. I'm not going to read the whole story because it's long. Alors je ne vais pas lire toute l'histoire parce que c'est assez long. Basically, Balak wanted Balaam to curse the Israelites. Mais littéralement, l'histoire, c'est que Balak voulait que Balaam maudissent le peuple d'Israël. They were always winning. Parce que eux, ils étaient toujours vainqueurs. But God told Balaam, no, he could not do that. Et Dieu a dit à Balaam qu'il ne devrait pas le faire. So a second time, Balak asked him to come curse the Alors, people. La deuxième fois que Balak a demandé à Balaam de venir pour maudire le peuple d'Israël. But this time, he offered him honor and riches if he'd come do it. Et alors, ce qu'il a fait, il a offert des cadeaux et des richesses s'il venait pour le faire. And so Balaam decided this time he was going to go. Et Balaam a décidé qu'il allait partir. If we're not careful, alors si nous ne faisons pas attention, the word of the Lord can come to us and tell us what we're supposed to do. Et Dieu peut nous parler en nous disant ce que nous devrions faire. Regarding our purpose and our future. Concernant notre avenir et le dessein de Dieu dans notre vie. And there's a way that God wants that to come to pass in your life. Et Dieu veut que ces choses s'accomplissent d'une certaine façon. But if we're not careful, the distractions of the world. Mais si nous ne faisons pas attention, il y a des distractions dans le monde. Can cause us to miss what God has for us. Cela peut permettre à ce que nous puissions rater ce que Dieu a pour nous. And the world has many distractions. Et le monde a beaucoup de distractions. Some of the distractions are good. There's nothing wrong with them. They're not sinful. Certaines de ces distractions, ce sont des bonnes choses. Pas des péchés. They just override and take the place of what God said. Mais ce qui se passe, c'est que ces choses-là surpassent et prennent la place de ce que Dieu a dit. And so Balaam decided he wasn't going to listen to God. He was going to go ahead and do what God said not to do. Alors Balaam avait décidé qu'il n'allait pas entendre et écouter la voix du Seigneur et qu'il allait faire justement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. So he saddled his donkey. Alors il s'est assis sur son ânesse. So I'm going to start reading now with verse 22. Alors je vais lire à partir du verset 22. So then God's anger was aroused because he went, and the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against him. And he was riding on his donkey, and his two servants were with him. Now the donkey saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand, and the donkey turned aside out of the way and went into the field. So Balaam struck the donkey to turn her back onto the road. Then the angel of the Lord stood in a narrow path between the vineyards, with a wall on this side and a wall on that side. And when the donkey saw the angel of the Lord, she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Then the angel of the Lord went further and stood in a narrow place where there was no way to turn, either to the right hand or to the left. And when the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam. So Balaam's anger was aroused, and he struck the donkey with his staff. Then the Lord opened the mouth of the donkey, and she said to Balaam, "What have I done to you that you've struck me these three times?" And Balaam said to the donkey, "Because you have abused me, I wish there were a sword in my hand, for now I would kill you." So the donkey said to Balaam, "Am I not your donkey on which you have ridden ever since I became yours to this day? Was I ever disposed to do this to you?" And he said, "No." Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand, and he bowed his head and fell flat on his face. And the angel of the Lord said to him, "Why have you struck your donkey these three times? Behold, I have come out to stand against you because your way is perverse before me. The donkey saw me and turned aside from me these three times. If she had not turned aside from me, surely I would also have killed you by now and let her live." And Balaam said to the angel of the Lord, "I have sinned, for I did not know you stood in the way against me. Now therefore, if it displeases you, I will turn back." La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche.
L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Et elle ne se fut pas détournée de moi. Je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » We see that because Balaam wanted to do it his way, he got himself into a place where there was no way out. Alors nous voyons parce que Balaam voulait faire les choses à sa façon, il se retrouvait dans un endroit où il ne pouvait pas s'en sortir. In the process of our purpose coming to pass, if we continue to do it our way and go our way. Et dans le processus, lorsque nous aimerions que les choses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, et si nous continuons à faire des choses de notre façon, you'll always get to the place where there's no way out. Et nous allons toujours nous trouver dans un lieu où nous ne pouvons pas nous en sortir. And I thought it was very interesting that the donkey saw the angel, but Balaam didn't. Mais moi, je pensais c'était vraiment très intéressant de voir que l'ânesse avait vu l'ange de l'Éternel, mais Balaam, lui, n'avait rien vu. And thank God that the donkey went ahead and went off the road, or Balaam would have been killed. Et je remercie le Seigneur que l'ânesse s'est détournée de son chemin parce que sinon Balaam aurait été tué. We've had times in our life and in our ministry when we felt like we knew that. What God wanted us to do, and we felt like we were on the right path. Et dans nos vies, dans notre ministère, nous avons souvent pensé que nous savions exactement ce que Dieu voulait de nous et que nous étions sur le bon chemin. And it was like we were running into these roadblocks, and nothing was working. Mais à chaque fois, on se retrouvait devant des barrières et rien ne marchait. First thing we thought was, this must be the devil. Et la première chose qu'on pense, ça doit être le diable. And then when we finally got past that point, et après, lorsqu'on a traversé ce point, and we were able to look from where we'd come from, et lorsque nous regardons en arrière là où nous sommes sortis, we realized that it was the Lord's mercy that was blocking some things from happening. Et nous réalisons que c'était au travers de la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui plaçait cette barrière devant nous pour que nous ne tombions pas. Because in an attempt to do the will of God, we don't always hear just clearly. Parce que lorsque nous essayons de faire la volonté de Dieu, souvent nous n'entendons pas clairement Sometimes la voix de Dieu. Et parfois on se retrouve, on prend le mauvais chemin et on prend le mauvais tournant. And sometimes God in His mercy, et parfois Dieu dans sa miséricorde, et il place ses anges devant nous, afin de nous arrêter d'aller plus de l'avant dans notre façon de faire. Because if we were to continue on that path, we would maybe end up in destruction. Parce que si nous continuons sur ce chemin, peut-être nous allons trouver sur le chemin de la perdition. So not every roadblock that comes your way is from the devil. Alors pas toutes les barrières qui se trouvent sur votre chemin viennent du diable. Sometimes it's the Lord. Parfois c'est le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. The Lord wants us to have the fear of the Lord. Alors le Seigneur veut que nous ayons aussi la crainte de Dieu. A godly fear of God. Alors une crainte qui vient de Dieu, une crainte sainte. A respect of God. Un respect, révérence de Dieu. When that's present in your life, then you want to do things God's way. Et lorsque cela est présent dans votre vie, vous voulez faire les choses comme Dieu le veut. Psalms 34:7 says the angel. Et le psaume 34:7 nous dit. The angel of the Lord encamps around those who fear Him. And each of them he delivers. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre de leur détresse. Exodus 23, verse 20 says. Exode 23 au verset 20 nous dit. I'm reading this out of the Amplified. It says, "Behold, I send an angel before you to keep and guard you on the way." And to bring you to the place that I have prepared. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé.
There is a place that God has prepared for you. Alors il y a un lieu que Dieu a préparé pour vous. It's the place of your purpose. Et ça c'est ce lieu. It's the place of God's blessing. C'est le lieu où Dieu va donner sa bénédiction et ses desseins vont s'accomplir. And he says that he has sent an angel before you. Et il nous dit qu'il a envoyé un ange devant nous. On the way that you should go. Et sur le chemin que vous devriez suivre. And it even says that the angel will keep you and guard you on the way. Et il nous dit ici que même l'ange va nous garder et va veiller sur nous pendant que nous marchons dans ce chemin. And through the assistance of that angel, he'll bring you to the place that God has prepared for Et you. Et au travers de l'aide de cet ange, il va vous amener dans ce lieu qu'il a déjà préparé pour vous. Sometimes when we think things are taking a little bit too long to come to pass. Et parfois lorsque nous pensons que les choses sont en train de prendre un petit peu plus longtemps pour s'accomplir. It's because where God is taking us, there's some places and things and situations that he's preparing and getting ready for you to walk right into. C'est parce que les endroits que Dieu a préparés pour nous, il est en train de préparer ce chemin afin que nous puissions entrer dans ses promesses. That's why the appointed time and the due season is so important. Et c'est pourquoi le temps que Dieu a choisi et la saison de Dieu est très important. Just like there's an appointed time and a due time for a woman to give birth. De la même façon qu'une femme a un temps très précis pour accoucher. There's an appointed and due time for your purpose to come to fulfillment. Il y a un temps prévu par Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. And the same with if a baby's born too soon. Parce que si un bébé est né en avance, then it struggles to live. Et le bébé va lutter pour vivre. And sometimes when we try to force our purpose too soon, et parfois lorsque nous essayons de forcer les choses prématurément, we struggle. Alors nous luttons. But when we follow the Lord and we let the angel of the Lord lead us to the prepared place, mais lorsque nous suivons le Seigneur et nous suivons l'ange que le Seigneur a placé pour nous aider, pour nous amener dans ce lieu qui a déjà été préparé, then we walk into the fullness of that purpose. Là, nous pouvons marcher dans la plénitude de ses desseins. Hallelujah. Hallelujah. So tonight I want to pray for those of you here that say, I would like to enlist the help of the angels of the Lord. Alors ce soir, j'aimerais bien prier pour tous ceux qui ont le désir d'enrôler l'aide des anges pour accomplir les desseins de Dieu. In my life, in my family. Dans ma vie, dans ma famille. To help my purpose come to pass. Pour aider afin que les promesses et les desseins de Dieu s'accomplissent. So I can see my dream fulfilled. Afin que je puisse voir mon rêve s'accomplir. Everyone in this room has some sort of dream in their heart. Et chaque personne ici a un genre de rêve dans votre cœur. That I believe comes out of the purpose that God put in you. Et moi, je pense que cela sort même du dessein que Dieu a placé en vous. The desires that are in your hearts. Le désir qui est dans vos cœurs. Stem forth from the purpose of God in your life. Et cela jaillit des desseins de Dieu qui est dans votre vie. That's why you see some people that have interest in music or they have interest in other things. I believe that comes forth from their purpose. Et c'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la musique et à d'autres choses, mais moi je pense que ça jaillit des desseins que Dieu a placés en eux. But sometimes there's some doors that we need help getting open. Mais parfois nous avons besoin de l'aide pour ouvrir certaines portes. So tonight, if you would like prayer and you would like someone to some of us to pray for you. Et ce soir, si vous aimeriez qu'on prie pour vous. To enlist and release the angels of the Lord on your behalf. Afin de vraiment enrôler et libérer les anges de Dieu pour travailler en votre faveur. Hallelujah. 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 We thank you, Lord, tonight. Seigneur, nous te remercions ce soir. We thank you for your word, O God. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Lord, I praise you that your word is alive and full of power. Seigneur, je loue ton nom, Seigneur, parce que ta parole est vivante et pleine de puissance. I thank you, Lord, that your word does not return void. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole ne revient jamais à temps, sans accomplir. I thank you, Lord, that your word contains the ability to do what it says it will do. Et je bénis le Seigneur parce que ta parole a la capacité d'accomplir ce que ta parole dit. And Lord, tonight, as the word's been spoken, Seigneur, comme la parole a été proclamée ce soir, concerning angels, au sujet des anges, who angels are, qui ils sont, what angels do, ce que les anges font, Lord, I thank you tonight that the angels of the Lord encamp around this place. Seigneur, je te remercie ce soir que les anges de Dieu se trouvent autour de ce lieu. The heavenly host, que les anges et l'armée céleste, those that are sent to minister for us as the heirs of salvation, et ceux qui ont été envoyés pour exercer le ministère en notre faveur, nous les héritiers du salut. And Lord, tonight as we enlist the angels, Seigneur, ce soir nous enrôlons les anges, as
As we dispatch the angels, lorsque nous les envoyons, as we release the angels, nous libérons les anges. Lord, I thank you that tonight the angels will encamp around about each and every one here. Seigneur, nous te remercions. Je te remercie que les anges, Seigneur, vont entourer chaque personne qui est ici présent. That has a desire for angelic help. Chaque personne qui désire avoir de l'aide qui vient des anges. That the angels will come to their aid. Que les anges vont venir pour les aider. And will bear them up. Et qui vont les soutenir. And will carry them to the prepared place. Et vont les amener à ce lieu que tu as déjà préparé. Lord, we thank you and we praise you for that. Seigneur, nous te remercions et nous te louons pour cela. We know that you're not a respecter of persons. Et nous savons, Seigneur, que tu ne fais exception de personne. And we know, Lord, that you watch over your word to perform it tonight. Et nous savons, Seigneur, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir ce soir. And you bring your word to pass in the hearts of those that believe. Et que tu vas accomplir ta parole dans le cœur de ceux qui croient. In the hearts of those that believe that they receive. Dans le cœur de ceux qui croient et qui veulent recevoir. And so we praise you and we thank you for it. Seigneur, tonight. Nous te louons et nous te remercions pour ce que tu fais. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your throne of grace. My heart is laid. Mon cœur est devant toi. J'abandonne tout. I lay me down. Je me prosterne devant toi. Pour out your mercy for me. Répands sur moi ta miséricorde. And my life, ma vie. I lay down at your feet. Je le dépose à tes oh, pieds. Come and live in me. Seigneur, viens et habite en my moi. Belongs to you. Ma vie t'appartient. My love, mon Seigneur. That I owe, tout ce qui est à moi. That I do, tout ce que je fais. Belongs to you. T'appartient. Lord, I approach, Seigneur, je m'approche. Your throne of grace. De ton trône de grâce. Heart is laid bare before you. Mon cœur est nu devant toi. Surrendering all. J'abandonne tout. I lay me down. Je me prosterne devant toi. Oh.